72 heures pour analyser la bonne mise en œuvre du projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad et le projet d'appui au secteur de l'énergie électrique dont les travaux seront lancés dans bientôt pour renforcer l'énergie à travers le pays. De cette rencontre se dégage une volonté réelle d'accélérer le processus de l'opérationnalisation de ce projet ambitieux à travers lequel le Tchad compte pour parvenir à juguler la crise énergétique. C'est un projet qui devrait, dont le temps d'exécution devrait finir en 2027, alors que le projet devrait commencer depuis 2020. Nous avons déjà accusé un très grand retard à nous de conjuguer nos efforts pour qu'on puisse atteindre ces objectifs. Les partenaires techniques et financiers sont conscients de la nécessité du besoin en énergie au Tchad. Restons tous engagés, partons d'ici avec cet engagement ferme, que ce soit de toutes les parties prenantes, pour qu'on réussisse la mise en œuvre de ces projets. Étant donné que ces deux projets ont connu un retard, les participants recommandent au gouvernement et aux bailleurs de fonds à respecter leurs engagements pour leur exécution, selon le délai prévu.